Oh merde, ça filme. Il faut planquer les preuves. Ok les amis, je sais que le papier toilette dans le décor, ça a gêné beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Ouais, Rayton, il s'astique l'abricot. » Mais c'est quand même faux, parce que moi j'ai un poireau. Donc maintenant, je le cacherai sur moi. Comme ça sera dans les vidéos, mais vous le verrez pas. Coucou tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là-haut. Aujourd'hui, on va regarder les meilleurs TikTok français cette fois-ci, parce que, bah déjà parce que j'ai que ça. D'habitude, vous savez, quand on fait des vidéos réactions et tout sur la chaîne, souvent, en général, on prend des vidéos américaines et qui ont plusieurs millions de vues. Cette fois-ci, je me suis dit, on va faire plaisir au fromage et au poulet. On va prendre les Français. La baguette vaincra. Donc on est parti. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour qu'on fasse du coup d'autres vidéos sur ça. Parce que TikTok, je sais que c'est un truc, c'est un peu sensible. J'ai l'impression que TikTok a trois types de personnes. T'as ceux qui détestent ça vraiment, la mort qui déteste. T'as ceux qui détestent mais qui vont quand même regarder des vidéos réactions de TikTok sur YouTube. Ça, tu vois, ils ont pas TikTok, mais d'un autre côté, ils regardent TikTok. Et t'as ceux qui sont quand même accros. Parce que moi, j'ai ouvert un TikTok il y a quelques temps. J'ai déjà 400 abonnés sur TikTok et je suis très satisfait. Donc abonnez-vous à mon TikTok, je fais des vidéos avec des chaussettes. Par contre, là, ça commence à me gêner, donc on va peut-être le remettre dans le décor. Ok, les amis, c'est parti. Meilleur TikTok. Non, je panique, je l'ai dit, je panique. Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson, c'est parti. Bon appétit. C'est vraiment français. Moi qui viens pas à l'école pendant un jour, quelqu'un a frappé la prof de maths. Il y a eu 5 bagarres. Ariana Grande a chanté dans le cours. Putain, mais ça rime pas. On a appelé la police, mais what the fuck? En vrai, moi quand je viens pas en cours, bah à part ils donnent des devoirs, mais c'est tout. Enfin, je sais pas pour vous, hein. Mais dans toute ma scolarité, tu vois, là j'ai bientôt fini ma scolarité, et dans toute ma scolarité, je sais que les peu de fois où j'ai raté les cours, parce que moi je suis un élève qui est souvent venu en cours, ça se voit pas, mais oui. Moi les vrais problèmes ils arrivent quand moi je suis là. Mec, chez lui, ça doit être tellement rangé. Des super soins. T'as vu, il a fait wow. Ce jour où Rayton perda son téléphone. Ah, il marche encore, mais l'écran, il est bleu. Ok, bon, bah voilà, c'était une très bonne blague. Abonnez-vous pour que je m'achète d'autres téléphones. Mais il y a des gens, ils ont trop de talent. The fuck? Et si on partait là, tout de suite, maintenant, à Disney? Non, il y a le confinement, tu restes chez toi, tu casses pas les couilles, meuf. Ouais! Eh ben non, parce qu'il y a le confinement. Ah bah voilà. Pouce bleu pour la mer. J'ai jamais entendu personne crier comme ça, mais Ok, ça je sens pas. Ok. Le gouvernement il est français, ok. Restez. Ok. Chez vous. Vous. Restez chez vous. Pique-nique au parc. Ça c'est tellement arrivé, je sais pas si vous vous souvenez au début du confinement, il y a tout le monde qui allait dans les parcs. Genre Macron il a fait bon les potes, il va falloir que vous restiez chez vous. Et tout le monde a fait non, on va clairement tous aller dehors. C'est totalement débile, totalement irresponsable, mais un peu drôle quand même. Mes études. Les réformes, les manifestations, le coronavirus, là, des cours, l'échec scolaire, le chômage. Continuez à faire des TikTok. Ah oui, la cuillère. C'était pas du tout exagéré. What? Putain, mais ça c'est trop créatif, c'est des génies. Quand je prendrai les pulls de mon mec. J'ai jamais compris d'ailleurs cette obsession et les filles qui passent par là, parce que moi ma copine elle fait pareil. Pourquoi vous prenez nos pulls? Genre, ils sont un milliard de fois trop grands pour vous. En plus, on les a achetés avec notre argent, donc techniquement c'est nos pulls à nous. Achetez-vous des pulls, on vous donne de la thune si vous voulez, mais allez-vous acheter des pulls. Là vous êtes en dash de fringues, c'est pas possible. Alors ça j'ai toujours pas compris ce challenge là. Ok, ça c'est drôle. Putain. Ça j'ai vu, c'est impressionnant. Il y a des gens sur TikTok qui sont trop créatifs. Il y a plein de gens qui testent l'appli et c'est normal parce qu'il y a plein de trucs vraiment chelous dessus. Mais il y a quand même des trucs grave créatifs et ça c'est respectable. Tu vois, c'est tout l'inverse de ma chaîne YouTube. Créatif. Moi content d'avoir fini mon contrôle de maths. Je regarde les autres élèves. La plus forte utilise un compas. Et j'ai pas utilisé un compas. J'ai une petite bulle, j'ai envie de nouvelle, regarde, paf, je la fais exploser. Ensuite, je bouge ma main dans tous les sens, hop là, je m'arrête. Non, je rigole, je continue, hop là, je bouge encore. Regarde, ça va aller très vite, elle va réapparaître. Et... paf. C'est stylé. Ma mère qui fait, fils, si je dors bien. Moi qui fais semblant. Mec, tu dois avoir genre 20 ans. Qu'est-ce que t'en as à foutre de jouer à la déesse dans ton lit et que ta mère te voit? Elle s'en bat la race. Ta mère s'en fout. Tu pourrais jouer à la déesse. Enfin, après, ça dépend à quel jeu tu joues sur la déesse. Si tu joues à Animal Crossing, ça va être tendu. Putain de Tom Nook. Je te jure que t'auras pas mes clochettes. Quand tu fais un putain de rêve.
putain, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. Ok. Oh mec, il est sûr de ouf. Vas-y, ça marche. Oh putain, le bébé, je suis pas trop sûr de ce qu'il... Oh. Mec, c'était un vrai bébé. Mais attends, attends. Vas-y, ça marche. Mais les gars, c'est un vrai bébé. Oh. Ah, il a dû avoir un cut au montage, c'est pas possible. Est-ce qu'il bouge encore? S'il bouge encore, mais non. T'es les parents irresponsables, là je me sens si mal. C'est dans ce genre de moment où t'es content que tes parents ils aient pas joué au basket avec ton corps. Perso, les miens, ils ont joué au ping-pong. C'est pour ça que j'ai la tête déformée. Pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Madame, il y a un reflet sur le tableau, on le voit pas. Ah bah d'accord, descendez les stores alors. Le F, il s'appelle les stores. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain, créatif, il y a Loki. Ah. Le petit chat. La musique, elle est trop... Putain, wow. Faut se calmer avec les zooms agressifs. Oh mec, mais genre, il a ça en son jardin. Ça, je l'ai vu. C'est impressionnant. Moi, franchement, si quelqu'un a ça dans son jardin, je viens chez lui et je fais une vidéo avec, hein, c'est incroyable. Le pire, c'est que, attendez, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais au primaire ou au collège, une connerie comme ça, je sais pas si vous l'avez fait, mais en gros, c'est un concours là où vous courez. Il y a une barre, passez vos jambes comme ça et genre vous devez sauter intérieur sur un matelas derrière. Un peu comme bah, ce que le gars a fait, mais sans, la... sans le grand bâton, tu vois. Et moi, je sais que j'ai tout le temps gagné à ce truc-là, juste parce que j'étais le plus grand. Forcément, que j'étais grave au-dessus de tout le monde, tu vois. Donc je sautais, genre on ne m'arrêtait plus. Le prof, il me regardait, il disait, waouh là là, c'est pas tellement impressionnant en fait. Le prof, il s'en battait les couilles. Pas. Je voulais te dire que je trouvais tes lunettes vraiment très moches. Peut-être, mais contrairement à ta tête, moi je peux les enlever. Pourquoi ça me fait si mal? Mais la musique elle rend mal. Moi je voulais couper un souci. Tu coupes avec une cile coronavirus, d'accord? Et toi Bibi? Eh ben moi, je prends une fleur de poison, je les mets dans la bouche. Eh ben voilà. Et une fleur de poison dans la bouche, la solution est de tout trouver. Allez. C'est glauque. En vrai c'était glauque. J'allais dire drôle, mais en fait non, glauque c'est un meilleur mot. Génial. C'est incroyable, attends. Oh, le backflip. C'est un monstre. Il était trop chaud. Mac, il décide de... Décide-toi. Participer pour la première fois en classe. Le prof. Mon meilleur pote. Le mec qui dort tout le temps. La fille populaire. C'est tellement ça. Adlo, c'est un truc de ouf. Tu rigoles, elle est chaude, Lou. MDR, t'es même pas capable d'aller dans le couloir. On est où? Pourquoi cette piscine elle est toute petite? Elle est trop belle, elle est toute petite. J'ai été absorbé, c'était incroyable. En plus récemment j'ai eu la même idée, genre je me suis dit vas-y je pourrais faire une petite musique avec genre les objets qui sont dans mon appart, genre je sais pas la lampe, les verres et tout. Donc vous savez quoi, si cette vidéo atteint, eh, vas-y je suis un grand malade, hein, 8000 pouces bleus, si cette vidéo atteint 8000 pouces bleus, je fais une musique sur la chaîne avec que des objets chez moi. Genre une musique comme il a fait là, la musique elle aura zéro budget, elle va être claquée au sol ou sous-sol, mais elle va être trop bien. Je te laisse 10 secondes pour liker la vidéo. Je suis tellement un thug. Mais apparemment vous avez pas liké la sienne, mais s'il vous plaît likez la mienne, hein. Genre c'est très important pour moi. Samsung. Ah oui, c'est vrai, putain. iPhone. Stylé. Bullshit. Moi qui fais le fou dans ma chambre à 5h du mat. Ma question quand ma mère va me demander de me coucher. Mais putain, mais vous êtes tous majeurs. Qu'est-ce que vous en avez à foutre que votre mère, elle vous entende en train... Alors, je sais pas pour vous dans les commentaires, mais dites-moi, est-ce que vos parents, vraiment, ils font attention pendant le confinement à l'heure à laquelle vous vous couchez? Enfin, si vous êtes très jeune, genre, je sais pas, 10 ans, ok. Mais si vous êtes à 15 ans, 20 ans, 18 ans, 30 ans, 58 ans pour les 3 personnes qui ont 58 ans qui regardent mes vidéos, bonjour. Je sais pas, vos parents, j'espère qu'ils vous demandent pas quand vous dormez, c'est glauque. Le cerceau vit sa meilleure vie. Moi qui dévoile mes sentiments à ma crush. Ma crush, désolé, mais j'aime que les bad boys. Moi, elle, j'ai retiré la clé sans l'éjecter. Rigoler, mais retirer la clé sans l'éjecter, c'est quand même chaud. Hein. Parce que moi, je l'ai fait une fois, ma clé était corrompue, bah j'ai perdu tout ce qu'il y avait dessus. Depuis, je prends bien le temps d'éjecter. Moi qui fais pipi dans la douche, parce que j'en peux plus d'attendre. Le vendeur de salle de bain. Ah, ok.
Oh. Décidé, mais je crois que moi j'avais demandé de faire ça, on m'a dit non. Grand frère, plus jamais tu m'insultes, d'idiot. Petit frère, idiot. Oh putain, le grand frère va tout niquer. Là, la copine de mon crush est morte à coup du skate. Quoi? Morte à coup de skate? C'est hardcore ça. Mais heureusement, mon skate n'a rien. La meuf vient de dire qu'elle a tué quelqu'un sur TikTok. Ok, les gens sur TikTok, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde, mec. C'est quoi ça? C'est l'aspire le plat. Je comprends pas. Oh, je kiffe des trucs en rythme comme ça, c'est incroyable. Le drop, le drop. Ah, y'a pas de drop. Ouais. Ils sont super bizarres, les gens sur TikTok, c'est trop bien, j'adore. Quand je vois ce mec, j'ai envie de lui faire des dons, juste pour qu'il continue à faire ça, c'est trop bien. J'étais sur Snapchat, et j'ai vu ça. Après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Kim. Oui, tant qu'on est dans le respect, autant t'appeler Kim. Quand on réussit grâce à son cul et un cerveau vide, on fait profil bas. Il y a des gens qui bossent comme des chiens toute leur vie, dans un travail qui les pèse, et qui serait mille fois plus méritant d'avoir ton portefeuille. Donc étouffe-toi avec tes billets, et j'espère ne plus croiser... Ça se voit que t'es plus heureuse que nous, hein, c'est sûr. Tu passes ton temps à chialer dans les stories. Bon, je t'embrasse. Ok, ok, il y a eu beaucoup de disrespect là-dedans, que je valide. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros, la fille là, je crois qu'elle s'appelle Kim Glow, l'idée c'est que c'est une meuf qui a fait la télé-réalité, qui est devenue très riche, bah, grâce à son cul. Il y a eu un drama et tout, elle était énervée, et ce qu'elle a dit, c'était, bah, ça, que, en gros, nous, quand il y aura la fin du confinement, on va retourner bosser comme des chiens, pendant qu'elle, elle va continuer à devenir riche. Et du coup, ça a foutu la rage à tous les gens, parce qu'en fait, elle insulte. Elle a surtout disrespect, en fait, les gens qui touchent le SMIC. Elle a fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc, honnêtement, si elle regarde cette vidéo, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, ma croche m'a mis un râteau. Ah, il y a vraiment un peu sur demande. Donc j'ai décidé d'agir. What the fuck, dude? What? Je vais faire deux fois plus de sport. Bah, c'est la bonne mentalité, mais je trouve que c'est grave respectable. Donne deux fois plus pour avoir ce que tu veux, c'est génial. C'est comme ça qu'on vit sinon. C'est super bizarre. Je marchais tranquillement. Quand tout d'un coup. Ouais, y'en a, ils sont... Y'en a, ils prennent de la bonne, hein. Ah putain, le chien le course en plus. Il l'a confondu avec un arbre, c'est sûr. Water, vodka. Mec, c'est super difficile. Genre les deux, genre ça se ressemble trop. Moi j'ai déjà confondu la vodka avec de l'eau et je l'ai regretté le lendemain. J'étais si fait. Oh les enfants. 19h30. C'est l'heure de la soirée entre voisins. Et tout le monde est prêt. Allez ouf. Allez, c'est parti pour une demi-heure. C'est où ça? Je veux trop emménager là-bas. Alors, je sais pas pour vous comment ça fonctionne, mais par exemple, moi j'habite dans un immeuble et je sais que tous les soirs vers environ 20h, tu sais, t'as les aides-soignants qui débarquent et tout le monde applaudit. Mais après ça, plus rien. C'est le vide, même la police, hein. Plus personne. Tu ferais trop voir des voisins qui sont grave chauds pour faire des petites fêtes entre voisins à distance et tout, ce serait incroyable. Sauf que mes voisins ils m'aiment pas trop, je pense, vu comment je gueule toute la journée. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardé cette vidéo. Oubliez pas le méga pouce bleu, ça fait toujours grave plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos, je me suis craqué tous les doigts. Suivez-moi sur TikTok, Instagram, Twitter, tout est dans l'inscription et au pire vous tapez Rayton, vous trouverez. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À plus, Mr. Rayton, et ciao.